Assemblée chrétienne de Gaspé aujourd'hui. On va avoir un bon temps ensemble. Amen. Et on va commencer avec un mot de prière. Amen. Laissez ce moment-ci, cet instant qu'on est ensemble dans la présence du Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs. Amen. Seigneur, merci pour qui tu es dans nos vies. Merci pour ton esprit. Je prie aujourd'hui que tu puisses venir parler à chacun de nos cœurs. Tu connais chacune de nos vies. Tu connais les détails de nos vies. Et ma prière, c'est que nous soyons en présentiel ici ou encore en ligne. Ma prière, c'est que ton esprit puisse être agissant en nous pour nous fortifier, nous encourager et nous édifier en toi. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. La gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Glory to you, God. Yes, you are holy and worthy of all our worship. Tu es digne de toute notre louange, Seigneur, ce matin. Sois élevé, Papa. Be elevated, Abba, Père. Que notre offrande te soit agréable ce matin. May our offer be pleasant to you this morning. Amen. Thank you.
plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô éternel. C'est par ta grâce et c'est par ton sang précieux, ô Jésus, que je t'appartiens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur qui t'est dû. Sois mon offrande, ô Jésus. Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. A mortal man would dare to stand before your throne, before the only one of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I belong to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praise that I say. Jesus, may you receive the honor that you do. Lord, I bring an offering to you. Offering to you. Jesus Christ, my King.
What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il vous
voudra ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Jésus-Christ, je me confie, je mets ma foi dans la puissance de la croix, que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix, que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Je me confie, je mets ma foi dans la puissance de la croix, que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ.
Un gros merci à l'équipe de louanges. juste pour vous dire que c'est Pasteur Michel Bisaillon qui est ici avec nous aujourd'hui. And just to tell you that Pasteur Michel, that everybody knows, is here with us today. He's going to preach in French, but he's going to make his best to make a resume in English so that everybody can follow. Il va prêcher en français. Il n'a pas la traduction aussi facile que Pasteur Jacques, qui lui est surdoué dans ce domaine-là. Mais il va faire un petit résumé de temps en temps en anglais pour que les gens en ligne puissent suivre. Alors, merci beaucoup. Et Pasteur Michel, je te cède le... Alléluia, content d'être des vôtres aujourd'hui. Cette belle journée, est-ce que je peux me tasser? Ou... Yes. Oui, OK, je peux me mettre où je veux, c'est ça? Est-ce que je cache les gens? Tout le monde, vous voyez l'écran? Well, I'm happy to be with you today. As it was said, I'm not gifted like Pastor Jacques is gifted to preach in English and French. I will try to do my best, though, but please forgive me right away at the beginning. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis toujours très content d'être parmi vous. C'est une joie renouvelée que de venir en Gaspésie, à cet endroit où maintes et maintes fois le Seigneur a parlé à mon cœur de toutes sortes de façons. Et encore aujourd'hui, très heureux d'être des vôtres. Et j'aimerais prendre l'occasion aujourd'hui de partager un message qui, je crois que c'est un message que tout le monde connaît. The message today, it's really, I think, simple, but at the same time, I think it's the greatest message, not because of me, but because of what we will speak about. C'est la chose la plus, à mon sens, la plus difficile dans ma vie, ce qu'on va partager aujourd'hui. Quand je dis difficile, c'est que il y a des sujets dans les Écritures qui, évidemment, qui nous demandent constamment de faire confiance à Dieu. Mais il y a ce sujet-là qui, pour moi, est important parce que je crois que, avec le sujet que nous allons voir ensemble, nous réalisons que vous et moi, nous avons une dette sur cette terre. On peut ne pas être en dette de personne, mais il y a quand même une dette importante que vous et moi, nous avons. Et je trouve que ça, pour moi, c'est fondamental de saisir cette dimension-là. Et c'est cette dette-là qu'on doit honorer comme croyant. We have a debt to honor as Christian, and we will see what it is today. And the title of the message today, it's the aspect of love, the two different dimensions of love in us, les deux différentes dimensions de l'amour en nous. Dans ma propre vie, je réalise que dès ma naissance, alors que j'ai grandi, l'amour a toujours fait partie de ma vie. Sauf que, si vous êtes comme moi, vous et moi, on a découvert un amour plus grand, plus profond, je dirais plus parfait, que tous les genres d'amour qu'on a connus sur cette terre avant. On a vécu, on a expérimenté des amours imparfaits. L'amour humain est très imparfait. Même si je pense que l'amour humain a sa racine dans l'amour de Dieu, sa façon de le manifester par rapport aux carences que nous avons comme être humain fait en sorte que cet amour-là est imparfait. As human beings, even if we have love inside of us, it is imperfect because of the sin of our lives or because of who we are disconnected with God. Et ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est regarder à ces deux dimensions de l'amour en nous. Je pense que l'amour, c'est le sujet le plus parlé, le plus écrit, le plus chanté partout. I think that love is the most popular, you know, word that it is sing by authors, writers. Well, everybody know about love. But what is love really? Qu'est-ce que c'est que l'amour réellement? C'est quoi l'amour en vérité? Il y a un homme qui s'appelle, j'ai trouvé ça intéressant, un Français qui s'appelle Marcel de Leclure. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, M. Marcel de Leclure. En 1875, c'est un peintre français,
Et il était en amour avec une femme, puis il a décidé de faire quelque chose de particulier pour cette femme-là. Il a écrit une lettre, où dans la lettre, à plus de 1 875 000 fois, il disait une petite phrase, et c'était « Je t'aime ». Imaginez ce monsieur-là, j'imagine que c'est un excentrique, là. Ce monsieur-là, il a engagé un scribe, et il a demandé à ce scribe-là de d'écrire ce qu'il lui disait, et le scribe le répétait. Fait que son calcul, le fait de le dire, le scribe lui répète, et en plus, le scribe l'écrit. Donc, on parle de 5 625 000 fois durant la composition d'une longue, longue lettre d'amour. Marcel de Leclerc a voulu témoigner à celle qu'il aimait, à quel point il aimait. And sometimes there's people who will be really, really good to talk about love, to sing about love. But in reality, do we know what it is really love? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est l'amour? Et la chose qui me saisit, je ne sais pas pour vous, I don't know about you guys, but the thing that really matters for me, it's what Jesus said at the end of the day. What Jesus, qu'est-ce que Jésus est en train de dire par rapport à la fin des temps? Jésus, dans Matthieu 24, va dire ceci. Il mentionne, à la fin des temps, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. À la fin des temps, il va s'élever des faux prophètes. À la fin des temps, il va y avoir des temps difficiles. Et Jésus dit une petite phrase, et j'espère que ça vous touche comme ça me touche, parce que je ne sais pas où on est exactement dans la fin des temps. Je sais qu'on est dans la fin des temps, mais je ne sais pas où exactement. Mais je sais une chose, c'est que Jésus m'avertit en disant ceci. Jésus dit, l'amour de beaucoup se refroidira. C'est quand même intéressant. Nous sommes à une époque où, comme j'ai mentionné, on parle beaucoup de l'amour, de différentes façons. It's really interesting that we are in a season, in a time where love, and many people will talk about love. And Jesus say that the love of most will grow cold. And he is talking about the end time, la fin des temps. L'amour va se refroidir. Et je pense que lorsqu'il arrive des persécutions, lorsqu'il arrive des temps difficiles dans nos vies, il y a des chemins qu'on peut prendre, il y a des décisions qu'on peut prendre qui peuvent faire en sorte que notre amour peut se refroidir. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps ensemble de réfléchir à propos de cette dimension de l'amour. Ça me rappelle, dans le bug de l'an 2000, il y avait un chrétien, un croyant de l'Église à la salle chez nous qui m'a dit, « Ah, pasteur Michel, la fin des temps s'en vient. L'année 2000, ça va transiter, tout va cracher, etc. Les banques ne seront plus capables de fonctionner. » Et moi, je lui avais rappelé à cette époque-là, parce qu'il suivait un ministère en particulier, je ne dirais pas dans quel pays, mais un ministère particulier, et la personne de ce ministère-là lui disait, « Ah, quand on va frapper l'an 2000, tu vas tout perdre l'argent qui est dans ton compte bancaire, etc. » Et lui, il se nourrissait de ce ministère-là. Et il est venu me voir en disant, en panique littéralement, « Pasteur Michel, il faut faire quelque chose. J'ai commencé à m'acheter. Mon sous-sol est plein de denrées alimentaires. J'ai de l'eau, j'ai toutes sortes de choses. » Et finalement, quelques semaines avant l'an 2000, il me dit, « Je me suis même procuré une arme. » Et je lui dis, « Mais je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. » Je lui dis, « Regarde, je sais que moi, je ne suis pas très crédible à tes yeux, mais j'ai travaillé pour la Banque nationale de 1981-2 jusqu'à 85, et déjà en 85-4-5, on faisait des tests pour l'an 2000. Et toi, tu me dis que les banques ne sont pas préparées. C'est parce que je ne sais pas d'où tu sors ça, mais je connais trop le milieu des banques pour te dire qu'ils sont préparés. Pourquoi? Parce que les banques donnaient des hypothèques à l'époque de 25 ans. Il fallait qu'ils se préparent sur après, dans 20 ans, ce qui était pour arriver. Mais pour faire l'histoire courte, ce qui m'avait saisi, c'était de réaliser que quand les temps difficiles viennent, tout à coup, l'amour devient centré sur soi au détriment des autres. Donc, on pense à nous, qu'est-ce qu'on peut recevoir, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut protéger. But when we talk about love, is it about the love of God? Because I think there's two different love. There's the human love and there's love of God. And we will see that more together. What Jesus said about love, in Luke chapter 10, verse
Verse 27, it said that, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Wow, c'est quand même intéressant de réaliser que Dieu nous dit d'aimer, de l'aimer, et en même temps, l'amour qu'on a à l'égard de Dieu va produire quelque chose dans nos vies, elle va produire un amour pour les autres. Et ça me fascine toujours de saisir cela. Ces deux dimensions de l'amour, j'aime Dieu, mais il y a un fruit qui découle de ma relation avec Dieu, c'est-à-dire que ce fruit-là, c'est d'aimer l'autre. C'est intéressant parce que dans le texte, ça dit d'aimer Dieu, de s'aimer nous-mêmes et d'aimer notre prochain. And the question is, how do we love God? How do we love ourselves or how do we love others? That's a good question. Et je me dirais, est-ce que pour nous, on est en train de vraiment réaliser, est-ce que je grandis dans l'amour? Ou est-ce que mon amour stagne? Est-ce que je suis en train de croître et de grandir dans son amour? En somme, la parole, elle nous enseigne que vous et moi, nous étions tous pécheurs. On était tous destinés à la perdition. Tous les êtres humains s'en allaient dans le même courant, dans la même direction. Mais, alléluia, j'aime les mains dans les Écritures romaines, mais Dieu qui est riche en amour, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, est venu nous réconcilier avec lui. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, on connaît Jean chapitre 3, verset 16, où il est mentionné, « For God so loved the world that he gave his one, his only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. That's the grace of God for human being. That's a way where God show his love to people who have no way to merit that love. Les gens étaient en train d'être bénéficiaires de l'amour de Dieu alors qu'il n'y avait rien en eux qui pouvait faire en ça, qui méritait cet amour-là. Et ce qui est intéressant, c'est un amour bien au-delà des mots. C'est un amour au-delà des chants, au-delà des écrits. L'amour de Dieu a été manifesté comment? Parce que Jésus-Christ a quitté le ciel littéralement. Il est venu sur la terre pour vivre et manifester et démontrer l'amour de Dieu. C'est ce qui saisit mon cœur. Je me dis, Seigneur, tu es venu me montrer de façon pratique, tangible, à quel point tu m'aimais. En venant sur cette terre, en vivant sur cette terre, et en aimant ceux que tu as créés. Wow, Seigneur! Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu fait dans nos vies, cette dimension de grâce dans nos vies, c'est important de saisir que personne sur cette terre, de toutes les générations, personne ne sera perdu à cause d'un manque d'amour de Dieu. Il faut comprendre ça. Personne ne va être perdu à cause d'un manque de l'amour de la part de Dieu, mais à cause d'un entêtement à résister au Saint-Esprit qui cherche à nous convaincre que Dieu nous aime malgré le fait que nous sommes pécheurs, malgré le fait que nous sommes sans Christ. Et là, Dieu manifeste son amour. Dans Jean chapitre 13, et le verset 34 et 35, Jésus dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. » Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà donné ce commandement-là de nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas nouveau, cela. Mais Jésus a rajouté quelque chose d'intéressant. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est intéressant, c'est comme si Jésus voulait mettre l'emphase sur la dimension « Dieu, dans son amour, m'a envoyé, moi, le Fils, et pour que vous puissiez comprendre à quel point je vous aime. Maintenant, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Wow.
C'est quand même beau de réaliser que le Seigneur veut faire cette œuvre dans nos cœurs qui nous dépasse, qui dépasse nos forces d'aimer. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme si je suis un vaisseau limité au niveau de l'amour, mais dans ma relation avec Dieu, Dieu peut déverser encore et encore toujours plus d'amour. Et je crois sincèrement que le verset dans Jean chapitre 13, verset 34, « I think that that verse » in John 13, verse 34, where it said, the new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. I think that's the type, that's the kind of love that could become cold in the last days. Je crois que c'est une des manifestations qu'on peut voir. Puis je veux pas qu'on regarde à l'amour aujourd'hui en pensant à d'autres personnes, mais simplement en regardant nous-mêmes, à nos cœurs. Est-ce que mon amour s'est refroidi? Is it possible that the love in my heart has become more cold? Well, I think there's a way to discern if it's so. Et je pense que c'est possible de réaliser que ça se peut parfois à cause des épreuves, des situations, que tout à coup, je prends une distance. Parce que c'est facile de dire « j'aime Dieu ». It is so easy to say « oh, I love God ». Yeah, okay. But how can I see that you love God? The only way that Jesus told us, it's if you say you love me, you love God, that will produce fruit. Ça va produire quelque chose dans ta vie où la manifestation de mon amour va se voir dans ta relation avec ceux qui t'entourent. À débuter avec tes frères et tes sœurs, avec les gens même à l'extérieur des murs de l'Église. Les gens vont voir que tu as une connexion avec mon amour. And I think it's really important to think about ourselves and say, Lord, where is my love at this point of time in my life? Am I growing in love? Like Paul would say in the epistles. Paul will talk about, you know, the growing love. Is it something that it's important for me? I think that the love could become colder in our life. It's when the aspect of the practical love is not there anymore or is less and less there. Et je crois sincèrement que nous devrions avoir cette réflexion en nous-mêmes, à savoir, Seigneur, y a-t-il des endroits dans ma vie où tu veux faire grandir ton amour en moi? Et je pense qu'il y a une différence notable entre les dimensions de l'amour humaine et les dimensions de l'amour divin. Et si on regarde à l'amour humain, vous avez expérimenté, j'ai expérimenté cela, l'amour humain dans nos vies. Vous savez, l'amour humain, c'est l'amour avec un « si ». Je t'aime si. Je t'aime si tu fais ça pour moi. Je t'aime si tu rencontres les critères que j'ai. Je t'aime si, tu sais, cette dimension humaine. Ou encore, l'amour humain, c'est je t'aime à cause de. Oh, je t'aime à cause que, je sais pas moi, t'es de mon goût. Je t'aime parce que t'es belle, parce que t'es beau, parce que t'es intelligent. I love you because you are this way and the other way. That's the human love. But what about the aspect of God's love? And il y a une autre dimension avec l'amour humain, c'est je t'aime puisque, ou encore lorsque tu fais quelque chose pour moi. C'est un amour qui est très conditionnel. Conditionnel à des critères, conditionnel à des attentes, conditionnel à des besoins que je recherche. C'est encore l'amour, mais c'est un amour très, très humain. Vous et moi, on a tous vécu ça. On l'a vécu dans nos relations les uns avec les autres. Hein? Des fois, un frère ou une sœur ne fait pas comme nous, on s'attendrait. Oh, je l'aimais, mais là, je l'aime moins. Ça démontre le genre d'amour que j'ai à l'égard de l'autre. Mon amour n'est pas comme celui de Dieu, mais il est vraiment humain. Dans les couples, on a déjà vu ça aussi. Hein? Dans les couples, quand tout à coup, on se marie, et malheureusement, les jeunes gens se font avoir par ça. Sometimes young people, you know, when they start to get involved and to be together, they wouldn't make
a big mistake about love. They try to be at their best to please the other person. And that could go for years sometimes. You could love someone because she's cute. But what's happening when she don't look like what she looks like before? Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un, tout à coup, qui est un sportif, est un athlète, il gagne des sous et tout à coup, il arrive un accident, il ne peut plus gagner les sous, puis il n'est plus reconnu comme il était avant. Des fois, il y a des gens qui, tout ce qu'ils ont expérimenté dans leur vie, c'est l'amour humain, l'amour conditionnel à nous ou à l'autre. Si, je t'aime parce que. Mais qu'en est-il de l'amour divin? What is it about God's love? And I would say here that the mention about God's love is je t'aime avant tout. That's really interesting because it's I love you first of all. We know that God loved us at first, you know, at the beginning. Before we loved him, he had love for us. L'amour, la dimension de l'amour divin, c'est aussi « je t'aime par-dessus tout ». Et c'est intéressant parce que le texte dans Romains chapitre 5 et le verset 8, qui est très intéressant, ça dit « mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous ». Moi, ça a été le verset qui m'a révolutionné. Vous revenez sur mon témoignage, vous connaissez mon témoignage où persécuter la petite église à la Chine. Mais de penser que Dieu m'aimait avant que je puisse l'aimer, wow! Si tel est le cas, if that reality is true, that God loved me before I knew him, that's an amazing love. Because he loved me for who I am, not because of what I'm doing. Et c'est vraiment intéressant. Dieu m'aimait pour qui j'étais et son cœur d'amour, c'était de me sauver. Son cœur d'amour, c'était de venir me chercher. Le cœur d'amour de Dieu, c'est de venir chercher les êtres humains qui se sont éloignés de lui. Dieu prouve son amour. C'est une preuve que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu aussi, l'amour de Dieu, c'est un amour par-dessus tout. J'aime beaucoup le texte dans Jérémie, chapitre 31. Et Dieu parle à Israël. Alors qu'il parle à Israël, Israël avait un coup raide. Hein? Israël n'était pas toujours facile à diriger, à conduire. Je pense que ça ressemblait aussi à nous aujourd'hui. Mais en tout cas, Israël, c'était pas toujours évident, le peuple. Hein? De temps en temps, très attaché à Dieu, de temps en temps éloigné de Dieu, etc. Et dans Jérémie 31, verset 3, ça dit, Dieu parle à Israël, c'est fort. Malgré tous les hauts et les bas d'Israël, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Personne ne va aller en enfer par manque d'amour de la part de Dieu. Les gens qui vont être séparés de Dieu, c'est par choix d'avoir, à répétition tout au long de leur vie, empêché le Saint-Esprit de les convaincre pour venir à lui, de recevoir la grâce, l'amour que Dieu a pour eux. L'amour de Dieu, c'est aussi un amour malgré tout. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, ça dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Pensez-y un instant. Il ne nous a pas sauvés pour toutes les bonnes œuvres qu'on pourrait faire. Puis on en fait. Amen. Le fait qu'on connaisse Dieu, ça nous propulse, ça nous donne le goût de faire à la manière de Dieu. Ça nous donne le goût de l'imiter, ça nous donne le goût de lui ressembler. Donc, il y a des bonnes œuvres qui viennent, qui a préparées d'avance pour nous, qui viennent après qu'on vienne à sa connaissance. Et ça, c'est glorieux, c'est merveilleux d'entrer et de savoir qu'on est couvrier avec Dieu. En même temps, ça dit, ce n'est pas à cause de cela, ça dit, ce n'est pas des œuvres que nous aurions faites, mais c'est selon sa miséricorde que Dieu nous a sauvés, nous a sortis de la misère. Dernièrement, les dimensions de l'amour de Dieu, c'est Dieu nous aime, point. Jean, quand il a voulu
résumé Dieu, ce qui n'est pas résumable, on s'entend. Il a dit, Dieu est amour. Wow! When we talk about love, it's so important to realize that it's a totally different aspect when we see human love and God's love in our life. And it's so important to realize that the dimensions of God's love is, first of all, He loves us. Above all things, He loves us. In spite of everything, He loves us. And He loves us, period, because God is love. C'est comme si Jésus est capable d'aimer en sachant que son amour peut rebondir. C'est-à-dire que son amour ne peut ne pas être reçu. Pensez à la croix. Pensez à la croix juste un instant. Alors que Jésus était à la croix, il n'y a aucune raison pour être à la croix. Mais alors, parce que tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du bien. Alors qu'il est à la croix, Jésus étend ses mains, et il n'étend pas ses mains, on lui étend ses mains, mais Jésus va dire des paroles vraiment significatives à propos de l'amour. Il regarde ses persécuteurs et il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand je prends quelques instants juste de méditer sur ce genre d'amour par rapport à ma propre vie, des fois on me pile sur la grosse orteille et je peux avoir des réactions rapides. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de revenir dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin juste de s'arrêter et de poser la question à Dieu. Seigneur, dans telle situation, avec un frère, avec une sœur, avec mon conjoint, ma conjointe, avec mes enfants, peu importe, dans les situations que je suis en train de vivre, Seigneur, ce que je suis en train de ressentir, est-ce que c'est ton amour? Et mon expérience avec Jésus, c'est que Jésus m'a amené à m'étirer souvent. C'est vite, je vous dirais, le Seigneur m'a amené à revoir mon mode de pensée, à revoir ma façon de percevoir les gens, de percevoir les autres. And it's so important to be in connection, in relationship with God, because that's the only place where we will find the true love, the real love, the love that could change someone. Even if it takes time. When Jesus said, when he was on the cross, when he said, Lord, Father, forgive them about what they are doing. Et la même chose avec Étienne, si vous vous souvenez d'Étienne, lorsqu'Étienne était en train d'être lapidé, c'est tellement beau parce qu'il est en train d'imiter Jésus. Ça faisait pas longtemps que Jésus était mort, puis alors qu'il est en train de recevoir des roches parce qu'il prêche l'Évangile, parce que les gens l'accusent, puis alors qu'il est en train de manger des roches, la première chose qu'il dit à Dieu en prière, c'est « Père, ne leur impute pas ce péché-là. » En voulant dire, « Seigneur, si un jour ils ont à aller dans le séjour, ils ont à aller en enfer, Seigneur, que ce ne soit pas à cause de ma mort. Pourquoi? Parce que j'ai ton amour dans mon cœur pour eux. » Wow! Des fois, j'entends des chrétiens dire, on parle trop de l'amour. Sometimes I hear Christians saying, we talk too much about love. Well, that could be possible that we talk too much about love. But frankly, it's time not to talk about love, even if we need to talk about love, but it's really time to show our love. It's really time, even if it's tough, difficult, and even if the time will be tougher, and if trials come, you know, within the next years, it's the time to show the love of God through our lives. C'est vraiment le temps, la saison, pour l'Église de se lever. De se lever pour manifester ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre, son amour. Je suis très béni de pouvoir côtoyer des hommes et des femmes qui
dans leur vie, au travers de leur vie, manifestent l'amour de Christ. Combien de fois dans le ministère que j'exerce, le ministère que le Seigneur me donne, que je vois des pasteurs, des ouvriers travailler d'arrache-pied, dans des contextes parfois difficiles, puis ils continuent, puis ils persévèrent. Puis la seule raison de leur persévérance au travers de l'adversité, it's love. C'est l'amour. Lord, I want to know, I want to be sure that I'm doing what you want me to do. And sometimes I'm really blessed to be surrounded by pastors, by leaders who they would say, the only reason I'm doing what I'm doing, it's not because the popularity, it's not because money, it's not because all kind of things. It's only because I want to be obedient to the Lord Jesus. And at the same time, to be the one who the Lord will use to show people love his love. Wow. Let's talk about what type of love would we like to manifest. Parlons ensemble quelque peu avec qu'est-ce qui devrait être le genre d'amour que nous devrions manifester et pourquoi ensemble l'amour est si important. Why love is so important? Well, again, Paul, the Apostle Paul said that in 1 Corinthians chapter 13, verse 13, he said, and now these three remain, three important things. Faith, that's really important, eh? We come to know the Lord by faith. We place our faith in what the Lord did for us. Faith, hope. Hope is so important because we live in this world and we are so blessed as Christian guys because we know the end of our life. We know the next thing. C'est tellement important de réaliser que la foi, c'est une des choses importantes. Pourquoi? Parce que vous et moi, on connaît la fin de l'histoire. On sait ce qui va arriver après cette vie. Réalisez-vous que la majorité des gens que vous connaissez s'inventent toutes sortes de scénarios pour l'après-vie. Ils ne savent pas du tout où ils s'en vont. Nous avons le privilège de connaître la fin de l'histoire comme croyants. Nous avons le privilège de savoir que Jésus nous a préparé une place avec lui. Moi, j'ai hâte. Il y en a plein jusqu'à maintenant. J'ai des amis, j'ai des connaissances, j'ai de la famille qui m'ont précédé dans la gloire. Ils m'ont juste devancé. Des fois, quand je fais un service de quelqu'un que j'aime, je me dis, ah, Seigneur, j'aurais tellement voulu y aller avant lui, ou tellement voulu y aller avant elle, puis que lui m'attend encore ici-bas. Mais c'est pas de même que ça marche. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça des fois. Je comprends pas pourquoi il y en a qui m'ont devancé. J'ai un ami proche, il est mort 42 ans. Et je comprenais pas pourquoi lui, c'était 42 ans, puis là, moi, j'en ai 62. Et je suis encore là. Mais il y a une chose que je fais. Pour chaque funérail, chaque décès, chaque frère et sœur qui meurt, il y a une chose que je fais. Sylvie le sait. When someone around me died and I'm doing his funeral, the one thing I do. And the things I do is I try to remember one, two, or three aspects in his life that I need to take as example to become like the way he was on earth. Une chose que je fais, c'est que j'essaie de voir les amis qui m'ont précédé et de prendre les caractéristiques importantes de leur vie et de modeler ma vie sur leurs caractéristiques. Oh, pendant longtemps, j'avais des fleurs. Je gardais une fleur pour chaque service que je faisais et j'avais mis ça dans mon bureau. Il y avait un petit vase et évidemment, la fleur est sèche. Mais les fleurs séchées étaient toutes en haut. Puis là, je me souvenais de toutes les funérailles. J'avais fait, ah, oh, ça, c'est une fleur que j'ai pris pour Sylvie. Ça, c'est une fleur que j'ai pris pour Marie. Ça, c'est une fleur que j'ai pris pour Henri. Ça, c'est une fleur que j'ai pris pour Jacques. Ça, c'est une fleur. Et j'étais capable de dire pour chaque fleur quelle funéraille j'avais fait. Mais j'étais surtout capable de dire, pour chacune de ces fleurs-là, il y a des qualités que je voyais à l'image de Jésus dans ces gens-là. Seigneur, aide-moi pour le reste de mes jours à leur ressembler. And I think it's so important to look, even if we know about our hope, to realize that
When we are unhurt, we need to continue His word through our life. Tant que nous serons sur cette terre, nous avons besoin de continuer son travail à Christ sur cette terre. Let's continue. Faith is important. Hope is important. But let's say, and love. Look at the next phrase. But the greatest of these is love. If that is true, is it okay to say, well, we talk too much about love? If that is true, is it okay to just be like, treat love like it's not really important? If the last phrase is true, si la dernière phrase est vraie, mais la plus grande d'entre elles, en parlant de l'amour, en parlant de la foi, de l'espérance et de l'amour, mais la plus grande des trois, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Si ça, c'est vrai, est-ce qu'on devrait parler à la légère de l'amour? Est-ce qu'on devrait simplement, on parle trop d'amour. On chante trop à propos de l'amour. Sachant que Jésus a dit, la fin des temps, l'amour de certains se refroidira. Well, when Jesus said that at the end time someone will become colder and colder in their heart about love, for me it's an avertissement. How do you say avertissement? A warning. Yeah, thanks. It's a warning for me. Like, well, I'm there. I'm here, and I think I'm close to the end times. And the warning is, watch your heart. Watch the love in your heart. Donc, je pense que c'est important de réaliser. On est à la fin des temps ou proche de la fin des temps. On est dans cela. Et l'avertissement de la fin des temps, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je ne veux pas être de ceux qui vont se refroidir, mais je veux être de ceux où mon amour sera encore plus vibrant, plus vrai dans mes relations avec les gens qui m'entourent. Je veux qu'ils sachent que je les aime, pas à cause de l'amour qui est mon amour humain, mais à cause de l'œuvre de Christ dans ma vie, de ma relation avec mon Dieu. Je veux qu'ils connaissent, même si parfois, quand je les aime, l'amour rebondit, comme elle a rebondi à la croix pour Jésus. Bien, elle n'a pas rebondi tout à fait, parce qu'à la croix, l'amour a rebondi. Puis les gens n'ont pas reçu cet amour-là, au contraire. Mais il y en a un qui était cloué à côté de Jésus, qui lui, après avoir blasphémé à propos de Jésus, il l'a reçu cette même journée-là. Il a dit, « Hey, Seigneur, tu peux-tu penser à moi quand tu vas être dans ton ciel? » Jésus a dit, « Aujourd'hui même, parce que je vois ton cœur, je vois ton humilité, je vois ta repentance aujourd'hui même. » Dans le paradis avec moi. Nous sommes ceux, nous recherchons ce qui demeure. Vous et moi, nous recherchons ce qui demeure. Ce qui demeure, la Bible dit, c'est l'amour. Et je termine avec un dernier point aujourd'hui. Nous sommes de ceux que notre amour ne se refroidira pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Are you okay with me when I say we are of those that our love will not grow cold? And I think it's important to just to take time to think about that. Lord, I want to see your love grow in my heart. Seigneur, c'est important. Je veux voir vraiment ton amour grandir dans mon cœur, peu importe l'adversité, peu importe les situations que je vis. Peu importe les épreuves que je passe au travail, peu importe les vents contraires qui viennent vers moi, garde mon cœur pour que mon cœur puisse toujours, toujours grandir dans ton amour. Even Lord, if there's trial, there's difficulty, there's all kind of things that come against me, and it's hard sometimes, Lord, I pray that you will keep my heart full of your love. As you said, the only thing that's matter is love. Éphésiens chapitre 3, verset 17 dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. N'est-ce pas beau? Christ habite dans nos cœurs par la foi, et vous et moi, on est enracinés. Moi, je ne suis pas un bon
jardinier, puis j'entends là, qu'il y en a qui sont... J'entendais une jeune fille qui commençait à être jardinière, etc. Moi, je ne suis pas très bon avec les plantes, tout ça, là, mais j'aime le texte. Je suis capable de comprendre ce que le texte dit, là, OK? Le texte dit que les racines, la fondation, la base, c'est l'amour. Wow! Et Paul dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, regardez la suite, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Avec tous les saints, avec chacun d'entre vous, on puisse comprendre ensemble. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand on dit hey, « on parle trop de l'amour ». Non, on n'en parle pas assez. Pourquoi? Parce qu'ensemble, il faut comprendre l'un avec l'autre. Les dimensions de l'amour, pas les dimensions de l'amour humain, « je t'aime si, je t'aime parce que… » Non, les dimensions de l'amour divin. Il m'aime parce qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il m'aime. Et il continue en disant « afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur en connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Dieu veut qu'on soit remplis. Je ne sais pas pour vous, là, moi je ne suis pas encore rempli. Alors je peux vous dire, je ne suis pas encore rempli. Je pense que j'ai plus d'amour de Dieu que j'en avais avant. Je pense que le Seigneur fait un œuvre dans ma vie. Je pense qu'il me challenge souvent, mais je ne suis pas encore plein. Parce que des fois, il y a des matins, je me réveille, il y a des situations qui arrivent. Oh, il y a une situation qui est arrivée récemment. Oh, j'ai manqué une belle occasion d'aimer un jeune qui m'a coupé au volant. Oh, j'ai manqué une belle occasion de l'aimer. Oh, que j'étais fâché ce soir-là. J'étais fatigué, j'étais fâché, puis il est arrivé comme un fou. Puis lorsqu'il m'a envoyé les fingers, laissez-moi vous dire que le vieux Michel voulait dire, « Hey, on va se parler dans le blanc des yeux. Donne-moi deux minutes, on va se parler. » Ça n'a rien donné. Le Seigneur qui est arrivé, là, comprenez-moi bien. Mais juste mon attitude qui remontait, je réalisais, « Ouais, t'as encore de la place pour quand quelqu'un te fait quelque chose, de réagir comme Jésus a réagi à la croix. T'as encore de la place, Michel, t'es pas rendu. » Romans chapter 13, verse 8 said something really interesting. It said, let no debt remain outstanding except. En Romains chapitre 13, verset 8, c'est très intéressant hein, parce que ça dit, ne devez rien à personne si. Donc, OK, je ne suis pas en dette avec personne, je règle mes comptes, je fais bien mes affaires, je suis en bonne relation avec les gens. Mais là, il dit, la seule chose pour laquelle tu es en dette, et que tu vas toujours être en dette alors que tu es sur la terre, the only thing that you are in debt through all your life on this earth is the next aspect of the verse. It said, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. En français, ça dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. On a une dette à honorer. Et je sais que le Seigneur va nous prêter vie peut-être pour une minute, une heure, une semaine, un mois, un an, 10 ans, les plus jeunes, peut-être 25 ans, 50 ans, peu importe le temps que le Seigneur va nous donner de vivre. Tout au long de cette vie-ci, il y a une seule dette qu'on va avoir. Dette de s'aimer l'un l'autre. Pourquoi on est en dette d'amour l'un envers l'autre? Parce que Jésus a payé pour l'ensemble de mes péchés. Et la seule dette que j'ai envers mes frères et mes sœurs, les êtres humains sur cette terre, c'est que je suis en dette de leur manifester l'amour de celui qui m'a aimé. The only debt that I have on this earth is that debt of loving people around me like he loved me. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Je vais terminer avec je vais lire en français. I will read that in French, and I know that French English people here, you understand French, and French people understand English. You are bilingual really more than I am, but
I will read that in French because I think it's a beautiful story. And that story became a movie a few years ago. And I saw that movie, I think it's 2-3 years ago. I don't remember exactly. Et je vais lire cela en français. Une femme s'appelle Harriet Tubman. Jusque-là, il n'y a rien de spectaculaire. Harriet Tubman. Femme fin trentaine, pas trop vieille, n'avait rien pour impressionner le regard. Sa pauvreté était évidente à l'allure de ses vêtements délabrés. Elle vivait seule et représentait un mystère pour les gens de son entourage. Elle avait constamment des emplois intermittents, faisait des travaux domestiques dans de petits hôtels ou pour des gens riches. Chaque printemps, chaque automne, elle disparaissait sans crier gare et revenait quelques mois plus tard complètement épuisée, lavée, littéralement, sans le sou. Une fois encore, elle retrouvait un emploi et recommençait. Née en 1820, ça fait une couple d'années, hein, une couple de semaines, mais née en 1820 au Maryland, elle a grandi dans un contexte d'esclavage. À l'âge de 13 ans, elle fut battue à mort et laissée pour morte. Finalement, elle a réussi à s'enfuir au nord des États-Unis et devint une citoyenne libre. Vous avez compris que Mme Tubman était une noire esclave dans le sud, maintenant libre dans le nord des États-Unis. Harriet Tubman était une femme ordinaire qui a eu une mission extraordinaire. Un petit bout de femme de rien. Libérer d'autres esclaves du sud. Ça, c'était sa mission dans sa vie. Elle a dit, j'ai souffert, j'ai eu ça difficile, mais je vais faire en sorte que d'autres n'auront pas les difficultés que j'ai eues. Et un petit bout de femme, je ne sais pas si c'est moi qui ai... Un petit bout de femme, à peine. Écoutez la suite de l'histoire. Libérée d'autres esclaves au sud, été comme hiver, elle travaillait pour amasser assez d'argent pour faire le voyage vers le sud, où elle risquait chaque fois sa vie pour libérer d'autres esclaves. Entre 1850 et 1860, à elle seule, et tout seule, là, okay, à elle seule, a guidé plus de 300 personnes vers la liberté. Elle a fait 19 voyages sans jamais perdre une seule personne sous sa charge. Harriet Tubman avait un but, une mission. Quelle vie extraordinaire! Je partage juste ce témoignage-là parce que c'est le genre de témoignage où quand quelqu'un consacre sa vie à une cause plus grande que la sienne, c'est que Jésus a fait une œuvre dans son cœur. C'est que Dieu fait une œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Et on n'est pas obligé de faire ce qu'Harriet Tubman a fait. C'est pas ça du tout. On n'a pas à comparer nos missions, nos mandats dans ce monde. Comprenez-moi bien, je suis pas là. Et une chose, par exemple, c'est que Dieu, dans son amour, a décidé de te choisir faire un impact dans la vie des gens qui sont autour de toi. One thing is important, that God chose you because he wants through your life to make an impact around you with the people who live around you. On peut prier ensemble? Can we pray? Seigneur, merci pour ce merveilleux privilège de pouvoir regarder à tes écritures, regarder à ta parole. Merci, Seigneur, que on est en dette. On est en dette d'une chose qu'on ne pourra jamais payer parce que c'est toi qui as payé à notre place. Mais en même temps, l'impact de ton œuvre se répercute en nous. Et on est en dette d'aimer. D'aimer pour être un témoignage de ton amour pour ceux qui sont autour de nous. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est demandant. Parfois, ça demande un sacrifice comme Mme Tubman. Mais Seigneur, je prie que tu puisses agir au-delà de ce que nous, on pense. Que tu puisses nous aider à cheminer dans nos pensées. À savoir, quelle est ta volonté, Seigneur? Qu'on prenne pas des raccourcis pour arriver avec des pensées humaines et réfléchir à l'amour humain, mais qu'on prenne le temps de s'arrêter dans ta présence pour découvrir c'est quoi l'extra-mille. C'est quoi la chose que tu nous demandes de faire?
quand tu nous demandes de faire. Des fois, ce n'est pas à nous, des fois, ça va être à quelqu'un d'autre de le faire. Il faut honorer ça. Mais Seigneur, on veut être des fils et des filles qui sont à ton écoute, qui sont capables de t'entendre. Puis on veut être des fils et des filles qui jamais vont dire, « Oh, j'en ai assez de l'amour, j'en ai assez entendu parler, il faut arrêter d'en parler. » On veut être des fils et des filles qui vont grandir, comme Paul a dit dans Éphésiens, constamment, les uns avec les autres, pour comprendre la beauté, la grandeur, wow, de ton amour. Lord, I pray that you will touch my sister and my brother. I pray that your love will become not colder and colder, but warmer and warmer, that your love will take all the place in the life of my brother and sisters. I pray that you will give them how to love your way in specific situations they are going through. Not to do the same thing like other did, but Lord, when we are in your presence, I pray that you will speak in the life of my brother and sister in a way clear to show them how to love them like you are loving them. Merci Seigneur pour ce moment qu'on a eu ensemble aujourd'hui. Merci pour ces expériences communes que nous avons, que nous pouvons partager l'un avec l'autre. Seigneur, qu'on ne soit pas juste des gens qui parlent à propos de quelque chose, mais que nous puissions être de ceux qui vivent ces réalités-là, et qui les échangent et les partagent pour donner toute la gloire à celui qui nous aime tant, Jésus-Christ. En ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié, amen et amen. Je crois qu'on va terminer avec un chant. Soyez bénis. À la prochaine. Non, pas nécessairement.